Bon YouTube, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, vous avez déjà le titre, mais je présente quand même. Un Star Wars, encore et toujours, LucasArts, encore et toujours. Il y en a 5, 6, plus les Lego, enfin bon, il y en a un petit paquet de Star Wars. Et donc là, 1 à 4 joueurs, 3 blocs, et donc c'est le Clone Wars ce coup-ci, The Clone Wars. Ça m'a l'air d'être un mix 1-4 joueurs, je sais pas si c'est 4 joueurs en même temps ou si c'est du... Bon, aucune idée. 4 modes multijoueurs, stratégie par équipe, mise à mort, conquête, mode coopératif. Ah oui, un mode coopératif à 4. Bon, ça me paraît bizarre ça. Bon, on verra. On va tester déjà le mode 1 solo. Oh, il y a des grosses traces de doigts. Les belles grosses traces de doigts sur le DVD. Voilà, on est bon. Et là, ça va être encore du strike à tout va. Merci YouTube, merci Twitch, merci tout le monde pour ce super strike. Alors attendez, je mets juste à jour le titre. Star Wars. Merde, je vais virer ça. Star Wars. C'est The Clone Wars. Ok. Et donc ce soir il y a vraiment personne YouTube, hein, donc n'hésitez pas à t'entendre venir passer, dire bonjour, ça me ferait plaisir. Ça m'évitera d'être tout seul. Comme un pauvre petit malheureux, regardez comme j'ai l'air malheureux. Ouais, hop, j'arrête mes conneries. Paf. C'est tellement la misère. Si vous saviez. Comme je suis triste. Ouais. Prêt à se faire strike, prêt à se faire strike. Attention. On va se faire strike. Et striker la gueule. Striker la gueule. Bien comme il faut. On va faire. Strike, striker la gueule. Striker la gueule. Bien comme il faut. Papa. Papi pou papi pou bali pou ba bobi. Non? Si, un petit peu. Un petit peu? Ouais. Pas encore peut-être. Ah peut-être qu'après. Si, ça va arriver. Et du coup, j'ai pas fait gaffe. 3 blocs. Bon, ça va. Campagne. Oula. Oula. Le sauvetage commence. Allez, on va sauveter. Padawan. Et 3. Et 2. Et 1. Et strike. Et 3, et 2, et 1, et strike. Voilà. On va vous strike. Strike et la gueule. Merci Star Wars, Lucasfilm, et tous ces autres enculés. Merci de nous striker la gueule. Pour une musique qui est rentrée dans les mœurs, c'est la pop culture. Bon, enfoiré. Maître Windu, j'ai reçu les coordonnées du premier canon orbital. Il faut y aller. Suivez-moi. Attends. Mon accès en slash. Oh merde, j'ai pas dû. Ok. Maître Windu, voilà le premier canon orbital. J'ai des unités ennemies sur mes senseurs. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Attention les ennemis derrière. Mace, attention, vous tirez. Ok, il y a un tir automatique. Qu'est-ce qu'il fait? Mais alors? Mace, il y a un dépôt de munitions tout près d'ici. Profitons-en
temps pour recharger nos missiles à concussion. Attends, j'ai baissé un tout petit peu le son de l'autre côté parce que je pense que les babasses, elles sont un peu babasses. Hop, alors on ramasse ça. Munitions. Is everybody fire in the hole? Mace, je détecte un groupe de cyclodroïdes. Soyez vigilants. Leurs missiles sont redoutables. Bah mais bon, t'as qu'à t'aider aussi toi. Oh, t'as le 7 pas, comment tu veux que je t'aide? Aussi je te tiens dessus moi si je veux. On fait pour ça pour avancer plus vite. Réclamation. Elle est où là? Là. Fabrique. Elle avance pas là, bébé là. Putain, la maniabilité elle est terrible. Oui, chef. Forme jusqu'au deuxième canon. Je vous rejoins là-haut. La plateforme, je pense que... Aïe. Un mur. On a pas dit mais les sont là aussi. Houston. Je me replace en formation. Il faut détruire le deuxième canon. Les renforts ennemis ne vont pas tarder. Ah mais je suis tombé. J'ai quai dans le... Ah ouais, je suis tombé. J'arrive. Hop. Il me tire dessus. Ah, aidez-moi. Ouais. Ça va, j'arrive. Une minute, je suis tombé. Ma faute. Il y avait un trou. Trop loin. Trop proche. Le deuxième canon est presque détruit. Plus que quelques tirs. Vas-y, tire, j'arrive. Je me suis un peu cassé la gueule.
Mais non, mais j'en commence. Le deuxième canon orbital. Il en reste un autre. Ah bon? Je vous transmets ses coordonnées. J'en ai fait, non? Nickel. Et d'abord? D'abord? On va rentrer. Allô, monsieur le vaisseau? Mace, où allez-vous, Mace? Il faut que je décide de jouer sur les senseurs. On doit s'en débarrasser. Le troisième canon attendra. Oh, ça va, elle a encore 1000 life. On va se démarrer toute seule. Qui est le plus propre dans que les autres qu'on a fait pour l'instant. Attendez ici, je vais trouver le générateur du 2002. Canon et le détruire. Ah, c'est marrant. 2002, d'accord. Donc celui-là sort en 2002 et est plus propre que les autres qui sont sortis plus tard. Oula. Maître Windo. Ah. Oh, la maniabilité par contre du Jedi est vraiment à chier. On peut sauter ou pas? Sauter ou pas? Je peux sauter. Merde! C'est les couilles là! Oh, même si le grand Jedi est vraiment pourri. Hein. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il renvoie pas du tout les lasers. C'est très très bizarre. Ils sont dotés d'un mécanisme d'autodestruction. Essayez de lancer votre sabre laser pour les avoir de loin. Aïe, c'est mal. Bonne santé. Faire autre chose. Ouais. Poser comme ça, il y a beaucoup de monde qui ne pas. Mace, le générateur d'énergie ne doit plus être très loin. Détruisez-le pour provoquer une surcharge du canon. Ah. Je crois le Jedi est mort. Réussi à détruire les canons orbitaux. Il faut ça pue. En retraite et informer Maître Yoda de notre échec. Ah merde. Ah merde. Ah c'est carrément, c'est fini quoi, là on est baisé quoi. Ah ouais. Sur nous pour continuer l'histoire du coup. D'accord. Ok d'accord. Donc en fait ouais, on a des petits bonus et tout, et on peut quand même continuer même si on a fini sans rater ça. Ouais bon là, par contre les phases de vaisseau ça va encore à peu près. Alors les phases à pied, je vais essayer de relancer. Je vais vous relancer la mission. Par contre j'espère qu'on redémarre pas du début. J'espère qu'on redémarre juste de l'endroit où on est mort. On croise les doigts très fort s'il vous plaît. Avec moi.
Non, s'il te plaît. Maître Windu, oh non. J'ai reçu les coordonnées du... Oh mais tu rigoles là. On redémarre du tout début là. Vraiment? Non, bah, va te faire foutre en fait. Va te faire foutre en fait. Y'a pas de point de sauvegarde intermédiaire. Mais on va te faire enculer en fait. Bon, ben voilà, donc c'était The Clone Wars, Star Wars The Clone Wars, et de toute façon, on va faire le dernier, et après je vais aller me pioter, YouTube, parce que vous en foutez, mais il est 23h. Pouf, ouais, donc celui-ci, on va le couper, parce que si on va faire strike la gueule avec sa putain de musique, là, et on va mettre un peu de musique à nous, voilà. Non, ben c'est dommage que les phases à pied soient un peu merdiques. La phase de vaisseau était pas trop mal encore. Un peu compliqué à prendre en main, mais je pense que c'est une question d'habitude. Donc la phase à pied, elle est vraiment... La maniabilité du personnage... j'ai l'impression de jouer à Golden Eye. C'est-à-dire que... quand vous tournez le personnage... j'ai les cheveux qui biquent. Attends, excusez-moi. Hop. Quand vous tournez en fait le personnage, vous avez... je sais pas... comme s'il tournait sur lui-même en fait, vous voyez un petit peu. Mais en fait, il peut pas tourner et avancer en même temps. Et du coup... je sais pas, c'est très bizarre quand même d'expliquer. Ah, excusez-moi. Ça rappelle un peu le GoldenEye, où il y avait le même principe, c'est-à-dire que vous avanciez, vous reculiez, il avançait et reculait. Par contre, si vous tourniez à droite ou à gauche, il n'avait pas tendance à déplacer à droite ou à gauche, il tournait sur lui-même, en fait. Même principe, là. C'est-à-dire qu'en gros, il avance et recule correctement, et par contre, il tourne sur lui-même quand il... Donc en fait, en gros, c'est vous avancez, vous tournez, vous avancez, vous tournez, vous avancez, et ouais, c'est assez particulier, quoi. J'aime pas trop ce type de mouvement, mais bon, après, c'est personnel. Et ça faisait partie, c'est à peu près pareil sur le GoldenEye, où en fait, t'avais le joystick gauche qui faisait un truc, le joystick droit qui faisait un truc, et en fait, quand tu... Donc, le premier faisait avancer-reculer, donc le gris faisait avancer, reculer, et puis tourner comme ça, d'accord. Et le jaune faisait déplacer comme ça, et déplacer comme... enfin, et regarder comme ça, quoi. Et du coup, que se passe-t-il, quoi. Même principe, même galère. À part que le stick jaune ne fonctionne pas. Donc c'est que déplacement en mode... enfin, attends, je le refais pour la caméra. Enfin, c'est pas très agréable. Alors par contre, à la partie vaisseau, vous avez quand même les gâchettes qui vous permettent de glisser un peu sur le sol à droite et à gauche, et du coup vous avez pas cet effet un peu saccadé, quoi. Donc c'est con, hein. Si vous avez fait pareil avec les gâchettes sur le terrain, on aurait été peut-être mieux, hein. Les mouvements latéraux, enfin bref, c'est pas grave. Et donc le dernier jeu, YouTube vous l'avez déjà, donc on s'en fiche, mais je le prends quand même, Rayman 3 Hold'em Havoc, donc celui-ci. Rayman 3 Hold'em Havoc, donc celui-là, qui est jouable de 1 à 4 simultanément, 8 blocs, et compatible avec la GBA, celui-ci. Donc première fois que je lance, on va voir ce que ça donne. Mais Rayman, il y a des fois, je suis très content d'y jouer, alors des fois, je suis pas trop content d'y jouer, mais on verra bien ce que ça donne. Et de toute façon, à mon avis, on a pas eu grand monde ce soir, hein, et les gens sont pas venus discuter, bah tant pis, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, ce sera pour les vidéos YouTube, les vidéos seront là, en VOD, comme d'hab, voilà. Hop, on va se faire un petit coup, on va mettre le CD dedans, mettre à jour le titre du stream, et puis après, on se fait ça. En espérant que ce soit pas trop long pour celui-ci. Hop. Le Rayman. Hop, Rayman. 3. Et du coup, c'est... non, c'est quoi, c'est... ça, c'est bizarre. Bon, encore, je pense que... Hold'em Havoc. Alors, tu vois, j'ai jamais, absolument jamais testé. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'il va être bon, un peu comme ceux qui étaient un peu plus anciens. Croisez les doigts très fort, s'il vous plaît. Faites qu'il soit bon. Hop. Merde. Ah, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est bon. Tac. Hop. Et on y go. Pouette. La F-Sen, c'est mieux, la F-Sen. Voilà. Désolé pour les reniflements, etc. YouTube, que vous avez dû avoir pendant plusieurs jours, mais c'est les avantages d'être enrhumé. Putain, grâce à ce temps de merde. Oh! D'accord, donc les Anglais ont des slips comme ça, les Français portent des caleçons, les Allemands des cache-checs, les Italiens des espèces de panini, et les Espagnols, on sait pas trop. J'aime bien le fait que ce soit des slips sales. Ou propres. Mm-hmm. On ne veut pas savoir. Oh! Petite musique. S'ambiance, ça s'ambiance sec chez Rayman. Us, us,
Ouais, bien ça. Oh. Pas celle l'or, d'accord, on peut débloquer avec le l'or. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le son là? Ils sont venus superposer le son de leur bruitage par au-dessus ah c'est très bizarre. C'est très bizarre, ils sont venus superposer le son du bruitage par au-dessus le son de la musique et du coup ça sature quand vous avez des bruitages. C'est totalement bizarre. J'aime bien l'engrenage qui ne marche pas en bas. Oh. Ça swing bébé. Touchez pas la carte mémoire. Allez, croisez-moi pour qu'il soit bon celui-ci, s'il vous plaît. Croisez bien les formes de doigts avec moi. Hop. Un petit peu de l'or. Allez, je remonte un petit peu le son. Vous ne soyez pas perdu. Je me tais. Les gens passent et ne s'arrêtent pas. C'est comme le train pour Pau. Quelqu'un qui est passé, je l'ai voilà, vu. Voilà, voilà, monsieur dame, fin de la cinématique. Maintenant, c'est à toi de jouer. Qu'est-ce qu'il fout? Les trucs rouges, ça s'appelle des bonus. Il faut que tu les prennes. Allez, on y retourne. Et cette fois, essaie d'être un peu moins grotesque. Tout de même. T'as jamais joué à un jeu vidéo ou quoi? Je me fais insulter quoi. Bah tu vois quand tu veux. Y'a pas d'autre là? Non, c'est bon, y'a pas d'autre. Merde. Et il nous tire dessus. Ah voilà des méchants originaux. Alors, on attrape les machins rouges. D'accord. Ok, jusque là. Ah voilà, Zaza. C'est la musique. On va pas tourner en rond pendant des heures. C'est à toi à choper une crise d'épilepsie. Ok, t'as pas été trop mauvais. Pour la peine, je vais t'offrir ton premier saut en parachute. Sans parachute. Sympa. D'accord. Oh putain, j'espère que c'est pas ça tout le long.
Ah, on retrouve Rayman le vrai, Rayman. Il manque les mains. Hop, je déconne. T'es vraiment trop bonne comme ça, tu sais. D'ailleurs, c'est quand que t'enlèves le bas? Non, le prends pas comme ça. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Le manuel. Y'a tout là-dedans. Si on lit l'histoire, on trouvera comment te tirer de là. Alors, il était une fois les lumes, c'est l'harmonie, l'amour, la paix. Tu parles d'un scénario. Soudain, le drame. André transforme les lumes rouges en hoodlums. Le monde est en danger. Ah, voilà. Là, ils disent que c'est Globox. C'est de la drogue, là, développeur. Ouais, trouillard comme il est, il a dû se planquer quelque part. Ah, ça, ça va pas être évident de lui mettre la main dessus. Surtout pour toi. Hop, hop, hop. En fait, je sais pas s'ils ont fumé, mais. Chacune de tes actions te rapporte des points. Tiens, regarde le compteur. Je vais te montrer. Pousse-toi, ma poule. Lorsque tu marques des points, le panneau s'abaisse et tu passes en mode combo. C'est là que ça devient génial, parce qu'en mode combo, tes actions valent beaucoup plus. Seulement, faut pas traîner, parce que le mode combo finit par disparaître si tu marques plus de points. Ah, dernier truc. Les points permettent d'acheter des niveaux cachés. Alors, essaye de faire le meilleur score, c'est pas le plus facile. Bon, le manuel a pas l'air terrible, mais en cherchant bien, on devrait trouver deux ou trois trucs utiles. Tiens, là, ils disent que pour sauter, il faut utiliser la touche de saut. Sans blague, voilà une info. Et là, ils disent que pour frapper, il faut presser la touche de tir. Bravo. Non, sérieux, il y a vraiment des types qui ont payé pour écrire ça. Je vois pas les boules là. Je pensais que j'étais censé récupérer les boules, je sais pas quoi. Oh, c'est tout. Ouais. Une fois que j'ai fini le level là. Tes cheveux, ils ont fumé ou quoi? Mais bravo, Rayman, tu es vraiment le meilleur des héros! Oh, ça, la caméra, je suis quand même bien. Donc on est bien. Trop fort! Youpi! Globox! Globox! Bon, tu vas répondre! C'est bien, parce qu'on a une belle ombre au sol, donc on voit vraiment bien où on va. C'est plutôt agréable. Ah,
toc. Par contre, les combos, ils devaient disparaître doucement. Regarde, le consigne est fait. Si tu veux draguer, je te déconseille l'endroit. C'est rempli de vieilles filles complètement gaguenes. Oh, mais ce manuel est vraiment épatant. Il explique que les interrupteurs servent à déclencher des mécanismes. Non mais franchement, qui a écrit cette... Ah mais j'ai pas de main. Comment je peux le dire, j'ai pas de main. D'accord, on a une roulade. On a aussi le fait que ça, ça remet la caméra derrière. Attends. Il y a un truc là-bas, je me semble. Ouais, oui. Je les ai vus. Si je veux qu'ils défoncent. Point de combo. Voilà. Ça, c'est des points de combo, ça. Monsieur. Et du coup, une fois qu'on a activé ça, ça sert pas à grand chose. Comme mec, il y a un tonneau qui bouge, une porte qui peut se lever et un interrupteur. Ça te donne pas une idée? Maintenant, me demande pas ce qu'une porte vient faire au milieu de rien, c'est sûrement une idée du type qui a écrit le manuel. Oh putain, ouais, c'est rapide, hein. Comment on fait? Ah, mais non, mais. Dans l'eau. Je suis remonté. Ah, est-ce qu'on peut pas... Mais non, je suis un abruti. Je vais pas dans ce sens-là. Globox. Faites ce que vous voulez, tant que c'est sans moi. Ah bah voilà. Yes. Les mains. Ah. Trop de bonheur en début de jeu. Moi je dis que ça cache quelque chose. Aïe. Putain, le plaisir que c'est quand même de retourner sur ce genre de jeu. Rayman, quoi. Ouais, il est propre, hein. Il est propre. La maniabilité, c'est cool. Bonjour la nature. Petite fleur, comment t'appelles-tu? Non, franchement, il est plutôt cool. Oh, Rayman, t'as allumé la lumière. C'est beau. Bon, juste par contre, les développeurs ont pris beaucoup de drogue. Eh ben tiens, qu'est-ce que je disais? Revoilà les méchants. Évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent le compte d'épée. Non mais là, c'est plus possible.
Après Iron Man 2, on m'avait promis un rôle d'artiste tourmenté qui trouvait l'amour avec une fille très... très... intelligente, oui, voilà. Bilan, je me retrouve à faire la mouche dans une série... Non, mais... D'accord. Je me rappelle pas quand le premier Rayman il y avait ça. Dans les Rayman. D'accord. Ok, donc là on rentre là-dedans. Je me rappelle pas que dans les Rayman il y avait ça. 71% seulement? Merde. Nouveau niveau, bonus gagné. Ah, on a gagné là, par contre le bonus. Niveau bonus. Non, par contre il est vraiment cool celui-là. Et je pense que celui-là par contre pour le coup on le refera vraiment 100% une fois qu'on a accompli les tests de jeu. Nous devons rattraper André avant qu'il ne touche au cœur du monde. Son Rayman c'est pareil, c'est des jeux que j'ai joué quand on est vraiment gamin sur les PC. À tous les coups, il actionne un mécanisme. Allez, frappe. Ah ouais, je me souviens. Pouette. Hop là. Détourir. Je crois que j'ai déjà joué alors. Tac. Ah, il me semble que j'ai déjà joué alors celui-là. Ouais, je regarde. Ouais. Je regarde si j'ai déjà joué. Ouais, si, il me semble. Je me suis dit, merde, c'est cool, il se rattrape au bord et tout. Donc je pense que j'ai déjà joué à celui-ci. J'ai dû le tester. Bon, c'est pas grave. Ça fait du bien d'en se mettre dessus un peu. Peut-être en son player choice, peut-être que je l'ai ouvert. Player choice. Ah, yes, on a ouvert la porte. En brisant les tirelires, tu as ouvert la porte. Cet endroit est vraiment trop magique. Le troll quoi. Le manuel dit que tu peux lancer tes poids sur le côté. L'auteur insiste. Ça doit être important. En tout cas, moi je comprends mieux pourquoi les fées ne sortent pas en boîte. Attends, faut que j'aille voir. J'ai pas été voir. Parce que c'est comme bouton pour. Voilà, j'en laisse pas sur le côté. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors il faut faire B plus quoi? Putain, B. Alors. Donc. Ça. J'ai pas compris. Non. R. Ah d'accord. Ouais, donc c'est juste un déplacement latéral. Et du coup, on est Keblo. Non, je rigole. Comment? Merde. Possible ça. C'est pour en tomber entre deux quoi. Pour monter là-dessus. C'est bon, j'ai le las. Ouais, pas grave, t'inquiète. Maintien hors enfoncé. Attends, maintien hors enfoncé. Déplace-toi sur le côté et tire. Vas-y, Rayman. Ah, excuse-moi, on me parle dans l'oreillette. D'accord. Mais il dit que tu dois t'appliquer, car les tirs de côté te permettront de battre les hoodlums. Ça quand même, je laisse. Et du coup, je pensais stream vendredi, mais vendredi, en fait, je fais un truc, hein, des jeux de société avec des gens, avec l'asso, avec une asso qui fait des jeux de société. Regarde. Bon, je suis assez haut là, non, peut-être. Tu vas bien?
quand même. Vite, tire-lui dessus, je vais pas tenir mon temps. Attends, je vois pas où je peux aller. Appelez mon agent, j'exige de revoir mon contrat. 100 000 dollars en plus. Oh, je démissionne, vous entendez? Oh, oh. Yes, je l'ai eu. Écoute ça, le nain jaune. Une fois que j'aurai transformé l'énergie du cœur en eau de Lums, je reviendrai m'occuper de toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Wow, la lessive laser qui transforme vos vêtements en tenue de combat. Attends, je vois à quoi? Maintenant, je prends très vite fait. Mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Alors d'abord, c'est peut-être dangereux. D'abord, j'ai retesté, enfin j'ai fait tester, J'ai fait d'abord celui-ci. C'est le comment? Donc là, c'est des démos de novembre 2004. Mais bah du coup le VO2 sera sur. Alors il y avait. Non. Oh merde. Attends, je monte vite fait en grand. Bon, sur YouTube, vous avez déjà vu les vidéos, mais. Ça en pause deux secondes. Donc en fait, donc celui-ci, donc c'était, il y avait dedans, il y a Pikmin 2, novembre 2004, donc Pikmin 2, Metroid Prime 2, Mario Paper, des vidéos de Mario Paper, Metroid Prime 2, Pikmin 2 forcément, il y avait Second Sight en vidéo, comment ça s'appelle, Tale of Symphonia, GoldenEye. Enfin bon, il y a pas mal de petites vidéos, mais j'ai quasiment tout regardé, donc bon, si tu veux les voir, bah, elles sont disponibles sur la VOD YouTube d'ici quelques jours, peut-être une bonne semaine, parce que ça fait, je crois que j'ai des vidéos là qui sont en place jusqu'au 13, jusqu'au 14, je crois déjà, donc une bonne semaine, tu les auras, les VOD que j'ai fait aujourd'hui. Et puis après, donc j'ai testé ça, Pro Tennis WTA Tour, donc celui-ci. Qui ressemble un peu au niveau de l'esprit, ça fait un peu comme le beach speaker, tu vois. C'était vraiment, en fait, faut vraiment se placer bien avant la balle, bien en amont. C'est un peu merdique. Je vais être franc avec toi, c'est un peu plus merdique que le beach speaker au niveau des déplacements. C'est pas un jeu de fou, on va être franc. C'est pas un jeu de fou. Qu'est-ce que j'ai fait après? Ah oui, j'ai fait celui-ci, le Super Bust Move All Star. Donc celui-ci. Alors je pense que celui-là, il doit être marrant en multi, à 4. Parce que, ou à deux, parce qu'en fait contre l'AI elle est démoniaque, mais démoniaque. J'étais bloqué à des levels super bas. En fait, si tu veux, le personnage qui tourne la manivelle, en fait, pour tourner la flèche, pour monter la flèche et pour lancer les boules. En fait, c'est un puzzle game, hein, tu vois, un puzzle game comme ça. Et en fait, le problème, si tu veux, c'est que la flèche est super, super, super lente. Donc ça fait vraiment chier, quoi. Après, j'ai testé celui-ci. Alors, attends, on va mettre un doigt devant la demoiselle parce qu'elle est à moitié à poil. Le SRS Street Syndicate. Non, on s'en fout. De toute façon, je vais me faire strike la gueule parce que je l'ai montré tout à l'heure. Mais bref, le SRS Street Syndicate qui est. Je sais pas quoi dire. Parce que sorti en 2004-2005, c'est marqué. En 2004, visiblement, et 2004 par Namco avait fini de le produire, et 2005, Nintendo l'a auto-autorisé à sortir. Et franchement, c'est... à être un peu rare... Ouais, t'en croises pas souvent, c'est pas... Enfin... Ouais, non, le Bust Move... Après, je pense que le Bust Move, ça doit être sympa en multi, avec des gens qui ont le même niveau que toi. Parce que là, contre l'AI, c'est dégueulasse, tu peux rien faire, c'est vraiment merdique. Passons, bah YouTube en fait, ça fait 45 minutes qu'on est déjà sur le Rayman. Donc bon, je vous fais des bisous, et puis je vous dis une bonne soirée. En tout cas, le Rayman, on le refera en live sûrement, parce qu'il est super. YouTube, des bisous, excusez-moi, j'ai pas fait gaffe autant. Des bisous, ciao.